Oui, notre identité est forgée par les films. Oui, notre identité est forgée par ce que nous, la manière dont nous nous percevons. Si vous regardez Réjane Padovani de Denis Arcand, vous allez voir qu'au cœur du film, il y a la construction de l'autoroute Ville-Marie puis de la tour de Radio-Canada. Donc, toute la fiction repose sur ce moment-là. Un des plus célèbres films de Gilles Carle, c'est La vie heureuse de Léopold Z, c'est sur un déneigeur. Donc, on ramasse la neige, on enlève la neige, on reprend le contrôle de la ville, on reprend la main haute sur la ville. Et c'est beaucoup comme ça qu'on va se définir comme des bâtisseurs. Et l'image de soi du Canadien, c'est beaucoup ça. Si c'est faux, puis si les gens pensent ça à propos de vous, c'est parce que c'est un mythe, et un mythe n'est pas remplacé par la réalité, un mythe est remplacé par un autre mythe. Alors, vous allez devoir en créer un autre.